Oui, alors vidéo sur les fauteuils gamer, gaming chair, ou on va dire des fauteuils de bureau pour PC, pour console. En fait, il y a plusieurs appellations. On va plutôt dire gaming chair à chaque fois. Donc, quels sont les critères de choix les plus importants quand on veut acquérir un gaming chair? Donc, on va regarder avec deux modèles qu'on a ici sous la main. Donc, des modèles qui sont des modèles de chez. De chez Songmix, hein, qui sont deux modèles assez différents. Donc ici, premier critère, on a dit dans l'article, c'est la matière. Ici, on est sur du simili-cuir en fait. Donc ici, zoomé très proche, et on voit cet aspect, donc en effet, qui peut être assez flatteur en fait, mais qui à l'usage, je trouve, peut devenir en fait assez inconfortable compte tenu de la chaleur qui ne s'évacue pas en fait et qui va stocker la transpiration. Donc on peut avoir cette sensation en fait d'humidité qui fait que très vite en fait on se trouve pas très bien installé sur ce, quoique celui-ci malgré tout n'est pas tellement cet effet-là. Alors le critère important aussi que je voulais mettre en avant, c'est les accoudoirs. Au niveau des accoudoirs, sur ce modèle-là, par exemple, on va zoomer un petit peu. Donc sur ce modèle-là, on a un accoudoir qui se règle en hauteur. Voilà, monter, descendre. Mais il ne se règle pas en fait au niveau de l'orientation et il se règle juste après en avant ou en arrière. Donc on peut l'avancer ou le reculer. Donc ici on n'est pas sur un modèle dit 4D en fait, puisqu'il manque une dimension de pouvoir l'orienter en fait de cette manière-là. C'est une dimension importante pour certains jeux, puisque du coup on est obligé d'avoir toujours les bras très droits. Hein, donc sur cet accoudoir-là, on ne peut pas avoir les bras légèrement obliques. Sur des jeux comme des jeux de simulation de voiture, quand on a un volant à utiliser, ça peut être gênant. Critère autre, donc les roulettes ici, gros plan sur les roulettes. Donc on voit en fait, en effet, elles n'ont pas de frein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chaise est libre de se déplacer, c'est évident. Mais ça veut dire surtout qu'en fait, si jamais vous jouez un jeu avec un pédalier, quand vous freinez, la chaise recule, on n'y pourra rien. Et donc à partir de là, vous devrez en fait vous réajuster. Et donc je trouve que c'est assez gênant de pas avoir de frein sur les roulettes. Au niveau du dossier ici, on voit donc un dossier type en fait baquet, hein, type baquet de voiture de course, voiture de compétition, avec une assise aussi qui remonte. Donc on a un très très bon soutien, hein, donc dans tous les cas, donc on est bien placé au centre de la chaise, on risque pas de bouger. Donc en fait c'est rembourré sur les côtés et on peut bien apprécier en fait le confort en fait de ce rembourrage. On a le petit dosseret que l'on peut régler en hauteur, hein, qui permet également, eh bien, d'ajuster les lombaires. C'est très important quand on est assis longtemps de pouvoir avoir ce réglage afin de bien être en bonne position et de ne pas avoir mal au dos. Au niveau de la nuque, on voit ici que l'on a justement donc cet accessoire de soutien, donc au niveau tête et nuque. Donc c'est un accessoire qui est assez aussi important, qu'il faut pas négliger si on veut rester confortablement installé, parce que souvent ce qui se passe, c'est que l'on a le casque, on a éventuellement des lunettes ou un casque 3D, et donc ça fait du bien de pouvoir se soulager la nuque avec ce genre d'article. Donc il faut bien veiller à ce qu'il y ait cet équipement sur le fauteuil que vous achetez. Donc ici, globalement, si on fait le point, donc au niveau de l'armature, on est sur une armature qui est mixte plastique et fer, donc avec une assise en fait qui est composée de plusieurs épaisseurs, donc qui permet en effet d'avoir ce confort
ce confort d'assise et cette profondeur. Hein, vous voyez, la chaise est très profonde, donc ça c'est important aussi de ne pas avoir une chaise trop courte. Et donc on est vraiment installé, les fesses bien au fond et les genoux qui plient ici. C'est important de prendre en compte ce critère. Les chaises les moins chères n'ont pas en fait hein, ce genre de mesures. Elles sont beaucoup plus petites. Donc en fait, résultat, la chaise est imposante. On peut régler le dossier en fait ici avec le levier. Donc on peut l'incliner plus ou moins. Ça c'est important aussi selon vos goûts. C'est vraiment fait partie des choses que l'on peut et que l'on doit pouvoir régler. Toujours Song Mix, hein, donc dans la même marque, mais différent, donc avec un revêtement tissu qui, je trouve, est plus confortable en fait. On va regarder en détail. Donc, en effet, là, on est sur un revêtement voilà, très tissu, donc sombre, qui permet d'avoir un meilleur confort en fait avec la chaleur et qui permet surtout, je trouve, d'avoir un meilleur grip aussi quand on est assis par rapport au simili-cuir qu'on a vu tout à l'heure. Puisque là, en fait, on ne glisse pas du tout, on est tout de suite bien enfoncé dans le siège et on ne bouge plus. Sur ce modèle, au niveau des accoudoirs, donc on a des options supplémentaires, puisque du coup, l'accoudoir, en fait, on peut l'orienter également dans cette direction. On peut l'orienter d'avant en arrière et on peut l'orienter aussi de haut en bas. Donc, ce qui permet d'avoir un réglage très fin. D'ailleurs, le réglage haut en bas est très fin et ce qui est vraiment utile, puisque quand on est sur des jeux... pour certains, c'est très utile de l'orienter comme ça, et pour d'autres, justement, si ça gêne, c'est très utile d'orienter comme ça. Et on est en fait à chaque fois limite, donc en fait, ça ne gêne pas. Par contre, c'est vraiment beaucoup plus pratique. Focus sur les roulettes. Alors là, on est sur des roulettes qui sont un peu plus grosses que le modèle celui-ci, qui valait plus cher en fait hein, que celui qu'on a vu avec le simili-cuir. Donc en fait, là, on est sur des roulettes qui sont plus grosses. Donc qui normalement devait amener le meilleur roulement. Cependant, l'inconvénient justement, c'est que quand on joue sur un jeu de voiture, eh bien en fait, quand on freine, bien sûr, il y a ce mouvement de recul immédiat qui se fait. Donc on le voit ici. Donc quand on a le pédalier, donc en fait, au freinage, comme la pédale est très dure, eh bien, du coup, ça fait reculer le siège. Ce qui fait que ça explique la présence de ces vieilles pantoufles en forme de nounours qui, donc mises sur les roulettes, vont bloquer en fait, système D, hein, vont bloquer la chaise et elle va rester très fixe, puisque vous pouvez le constater, il y a un petit système antidérapant en fait qui est placé dessous, qui permet en fait du coup, en mettant un de chaque côté, d'avoir un siège au poil qui bouge jamais. Au niveau du dossier ici, on est sur un dossier en fait très ferme, donc avec une armature en fait acier très très forte, mais en même temps très rembourré comme on peut le voir là, et ici très plat. Donc on est vraiment très bien tenu avec le petit système lombaire toujours hein, que moi je mets tout le temps parce que c'est très utile en fonction des jeux. On retrouve cette forme en fait très baquet à l'arrêt carreau là, qui permet d'avoir un très très bon maintien dans toutes les circonstances, que ce soit au niveau de l'assise hein, qui est aussi très profonde, ou que ce soit de la taille ou des hanches ou des épaules. Au niveau de la nuque, donc on est toujours sur ce système. Alors ici le coussin est assez petit, donc c'est assez sympa, donc un système donc de maintien. Donc là il est réglé pour moi, donc vraiment indispensable, surtout que moi je joue avec le trachier ou je joue avec l'oculus, et donc au bout d'un moment ça fait lourd sur la tête, et donc là ça permet d'être bien reposé. Donc voilà pour ce comparatif de chaise. Donc globalement, là je préférerais, hein, donc c'est bien celle-ci. Donc également un réglage disponible pour le dossier. Donc globalement, moi je touche jamais, hein, j'ai trouvé mon réglage idéal. Donc avec également possibilité, vous voyez, de dos, si jamais vous jouez dans un salon, c'est pas non plus complètement disgracieux par rapport à une chaise de bureau. Alors par rapport à une chaise de bureau, la différence ici sur ces chaises, hein, c'est la largeur que vous allez avoir supplémentaire. Donc une chaise de bureau sera arrêtée là. Ici vous avez bien sûr toute la partie enveloppante qui est proposée en plus. Et je pense par rapport à une chaise de bureau, ce que vous avez, c'est que vraiment l'assise est beaucoup plus longue. Hein. Ici vraiment on est sûrement installé, il faut bien se caler au fond et on est au poil au niveau du maintien des jambes et du bassin. Globalement, sur les critères de choix d'une chaise, donc je reprends, hein, donc ce qui est important vraiment, c'est déjà l'armature, hein, qu'elle soit large
hein, sur les chaises les moins chères, l'armature en fait est moins large que celle-ci, donc en fait vous êtes tout de suite enconcé et donc tout de suite mal installé. Très important de bien gérer la partie hein, en fait des accoudoirs, hein. C'est un point clé en fait, hein, de la chaise, hein. Vous allez tout le temps reposer dessus. Il y a beaucoup de jeux où il faut avoir l'avant-bras bien reposé. Les roulettes, hein, ici malheureusement j'ai pas de frein, donc c'est pas pratique. Donc le réglage de la chaise, hein, donc on voit dessous, donc on peut régler ici plusieurs choses, donc la hauteur et l'inclinaison, donc c'est important aussi de l'avoir. Le petit dossier pour le dos, le petit dossier pour la nuque, et puis ensuite pour moi l'important ici le tissu, moi je privilégie le tissu par rapport à un simili-cuir, c'est beaucoup plus sympa.